plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais absolument délocaliser une séance pour les gardiens. Ça fait quelques temps qu'on en parle avec Manu Agro, qui est maintenant professionnel, mais qui m'en parlait déjà quand on était au centre. Il a eu cette idée-là, je trouvais qu'était bonne. Donc c'est très intéressant de venir un petit peu à la rencontre du football amateur, on est tous passés par là. Et puis la deuxième raison, c'est aussi parce que c'est le premier club de Max Prévost. Je sais qu'il revient ici souvent, donc c'est l'occasion de doubler un petit peu les objectifs. Puis on ira aussi dans le club de Midi Jana sur la deuxième partie de saison. Ça fait toujours plaisir de revenir où le foot a commencé pour moi, parce que voilà, il faut savoir d'où l'on vient, et c'est important de ne pas oublier ça, parce que si je suis là où je suis maintenant, c'est aussi grâce à eux, parce qu'ils m'ont appris les bases du foot, donc c'était important pour moi de participer à ça aussi. L'objectif, c'est de proposer déjà une séance pour les gars du club d'ici. Voilà, alors sans prétention aucune, on leur a pas appris grand chose, mais on aura quand même mis en place une petite séance de 45 minutes. Et puis là, on enchaîne avec la séance des gardiens de but du centre de formation. Voilà, ça me paraît vraiment très important de délocaliser certaines séances pour qu'ils voient que tous les jours au centre, on s'entraîne quand même sur des bons terrains et que c'est pas toujours l'occasion. Et bah, pour moi, c'était une chose importante. Faire une petite séance pour aussi les gardiens du club, hein, leur montrer comment on pourrait travailler dans un centre de formation, hein, toujours avec un petit laps de temps très, très réduit. Mais c'était aussi l'occasion d'amener les gars professionnels avec nous et de faire vraiment une activité en commun sur une après-midi dans un club amateur avec les gars du centre et les gars professionnels. De très bons souvenirs je garde de ce club, de ce terrain. Voilà, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Voilà, comme je l'ai dit, c'est mes premières foulées sur un terrain, c'est mes premiers ballons touchés. J'étais pas mal aussi autour de ce terrain quand je venais voir mon père jouer. Il jouait au foot ici, et c'est ça aussi qui m'a donné envie de jouer au foot et d'être gardien. Et je reviens aussi assez régulièrement voir mes cousins qui jouent dans ce club aussi. Donc voilà, c'est un stade que je connais très bien. Attends, 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 non, non, écoute pas, écoute pas, écoute pas, écoute pas, écoute pas. Hé, là, là.